Coucou les amis, comment ça va? Alors vraiment, j'espère que ça va. Nous sommes le 22 mars. Je reviens vers vous pour un petit tirage du message des plantes au peuple humain. On va faire une activation alchimique pour faire de l'auto-soin, pour aller travailler sur soi. Mais avant de faire ce tirage, j'aimerais aborder quelque chose avec vous qui me semble assez important. Pour beaucoup, vous avez reçu l'atelier équilibre. Il y a 9 capsules. Entre autres, il y a un protocole d'effacement et une capsule qui parle de l'importance des effacements. Moi, j'aimerais juste vous inviter à faire, à refaire, à refaire tous les effacements entre vous et les membres de votre famille, de votre entourage, vos collègues, vos amis. Non pas que ces personnes vous veuillent du mal, mais qu'en période de stress, en période de panique, comme tout le monde vit actuellement, et souvent de façon inconsciente pour certaines, ce que je me rends compte, c'est que on se nourrit ou les gens essayent de s'accrocher là où ils peuvent. Et en principe, c'est dans les failles de notre voisin ou d'une personne qu'on aime parce qu'on a besoin de sécurité. Alors si vous représentez la sécurité, la personne va essayer de venir s'accrocher dans vos failles. Alors oui, c'est de notre responsabilité de fermer les failles. Donc en fin de compte, elles sont juste là pour nous montrer nos failles. Mais pour mieux les voir, et surtout au début quand on en a encore tout ou plein. C'est vraiment important de faire le nettoyage, faire l'effacement et petit à petit ben, aller faire cicatriser ces failles. Donc faites-le, je vous assure que l'amour n'est pas effacé, c'est vraiment tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est chaîne. Et l'important, c'est que chacun retrouve son autonomie, son unité. Et encore moi, cette nuit, j'ai eu, enfin, je me suis réveillée avec plein de chaînes autour de moi, de personnes de mon entourage, qui s'accrochaient dans mes failles, aussi dans ma culpabilité de sortir. Ou plutôt dans ma culpabilité d'être bien et d'être sereine face à la situation. Pour moi, effectivement, je suis bien, je suis sereine. Et à plusieurs reprises, je suis sortie marcher. Mais ça peut, par rapport aux voisins, par rapport à Jacques, Pierre, Paul, X ou Y ou Z, on va pas citer de nom et c'est pas ça qui est important, parce que j'en veux absolument pas à ces personnes, créer des paniques. En plus de ça, je l'avais publié sur Facebook. Ça peut créer des paniques et du coup, je peux devenir l'ennemi à abattre parce que j'étais sortie en forêt prendre l'air. Moi qui pensais partager un moment de bonheur, ben pour certaines, non, parce que sortir égale propagation de la maladie et ça peut inconsciemment créer des attaques. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce nettoyage, faites les effacements. Tous les jours, n'en voulez pas aux personnes autour de vous, c'est une situation particulière qui permet de mettre à jour nos propres failles et après que vous puissiez faire le travail intérieur. Mais je trouvais important de relever ça parce que, ben, alors moi j'ai la clairvoyance, j'ai le ressenti, mais quand tu te lèves le matin puis que tu dis, ah mince, pourquoi j'ai plein de chaînes autour de moi? Qui c'est qui a voulu m'enchaîner? Puis c'est quoi ça? Et puis après tu dis, ah mince, ah ouais, j'ai provoqué telle attitude chez telle personne. Ça lui appartient. Moi, de mon devoir, c'est juste de ne pas laisser la personne venir. Alors, j'ai pas pour principe de faire des bulles de protection. Je suis même contre les bulles de protection. Parce que je préfère voir mes failles et faire le travail intérieur pour être dans mon rayonnement, dans mon authenticité. Et je baisse les protections. Donc c'est pour ça que je fais pas de bulle de protection et surtout comme la guérison doit être faite de l'intérieur, c'est idiot d'aller faire une bulle qui va protéger de l'extérieur quand vous allez vous empoisonner vous-même avec votre propre inconscient. Le but étant plutôt d'aller s'alchimiser, se transformer et retrouver sa propre lumière, sa propre confiance, sa propre unité, sa propre sécurité intérieure. Mais après, chacun fait comme il le ressent, ce qui est juste pour lui. Moi, je partage juste ma vision, mon expérience, et je vous invite à faire ce protocole d'effacement. Face aussi à Facebook, à toutes les publications Facebook,
Parce que je vous promets que c'est anxiogène Facebook actuellement. C'est pour ça que j'essaye de pas publier sur le corona des vidéos, des machins, des trucs. Moi, je suis plutôt dans les solutions, les outils alchimiques pour vous amener à faire un travail sur vous. Et j'essaye de publier des choses joyeuses aussi parce que si vous êtes sans arrêt rivé sur Facebook, même si vous faites juste de passer les informations inconsciemment, vibratoirement, vous recevez l'information. La télévision, on n'en parle pas, c'est encore pire, parce que c'est un film d'horreur que vous regardez. Et s'il vous plaît, pensez à éviter que les enfants regardent le journal, évitez que les enfants regardent les infos, évitez de parler de vos inquiétudes face à vos enfants. Même si c'est des éponges et qu'indirectement ils vont le recevoir, mais n'allez pas projeter vos peurs, vos inquiétudes sur vos enfants. Je veux dire, après vous allez être dans un cercle vicieux. Donc nettoyez-vous énergétiquement, purifiez. L'image qu'on me montre, qu'on me donne, c'est, ben voilà, les gens qui viennent me voir actuellement, je fais tout par vidéoconférence, les accompagnements individuels ou du collectif, on le fait par vidéoconférence. Ça veut dire que chacun se connecte à soi et reçoit une information. Mais on peut vous envoyer du négatif, la même chose que du positif. Ça veut dire que toutes les énergies de peur, elles vont être réveillées chez vous, la même chose que les énergies de joie. Alors, oui, dans un autre côté, c'est bien de réveiller ces énergies de peur pour aller les alchimiser, mais ne vous laissez pas prendre dans ce vortex, ne vous laissez pas envahir, ne vous trucidez pas avec ça. Du moment que vous avez l'info qu'il vous faut, stop, arrêtez là et travaillez sur vous ou passez à autre chose. Allez faire de la peinture, de la pâte à modeler, regardez un film qui fait rire. Petite parenthèse, si vous avez écouté le mot guérir, c'est guérir. Rire par la gaieté, par la joie. Donc, allez dans votre joie intérieure et faites de la musique, guérison. Guérison avec le son. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous bottent. Redevenez un enfant. Ça va vraiment vous permettre et ça va vous aider aussi à aller mieux, à vous purifier, à vous nettoyer. Et ne restez pas dans ce vortex qui est anxiogène et qui fait vibrer vos peurs à l'intérieur de vous. Je dis pas de fuir vos peurs, c'est pas ça que je dis parce que je vois trop de personnes qui disent non, moi je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis bien, j'ai pas peur, puis je regarde, puis je fais non, ton corps crève de trouille, il a peur de mourir. Non, l'important c'est que se connecter à soi, de se connecter à votre corps, d'aller dans l'écoute, faire votre travail d'alchimisation, puis donc, quand c'est fait, ben, vous allez dans une activité qui vous fait plaisir, vous avez envie de cuisiner, de crocheter, de tricoter, de vous filmer en train de chanter, je sais pas, j'invente. Allez-y, faites-vous plaisir. Hier, non, avant-hier, on parlait du bonheur. Allez, reprenez la plante, c'était la joëne. C'est un nom que je connais tellement pas. C'est Agi. Attendez, je vais vous donner la joëne, qui est une plante qui nous parle du bonheur et permettez-vous ce bonheur. Permettez-vous d'être heureux, permettez-vous d'être en joie, même en état de crise. C'est ça mon message aujourd'hui. Et puis on va voir le message des plantes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce qu'elles nous invitent à guérir à l'intérieur de nous en ce 22 mars? Après, bien sûr, vous pouvez reprendre les plantes, vous pouvez les refaire. Vous pouvez même les noter, prendre des notes en disant telle plante, ça fait ça. Comme ça, après, vous pouvez vous retrouver quand vous en avez besoin. Et maintenant, basilic tulsi, l'adaptation. C'est aussi le couple basilic sauffereur. Ça me fait penser à une expérience que j'avais vécue avec de l'huile essentielle de basilic qui avait été rajoutée dans une mousse au chocolat. C'était juste excellent. Mais la personne qui avait fait ça n'avait pas pris conscience que ça allait engendrer un travail en conscience. Et on avait vécu un moment assez intense de travail sur nous, le basilic. Alors, j'ai dans ce livre, j'ai dans un autre livre aussi, mais je ne l'ai pas ici à côté.
faut juste que je regarde. Basilic. Alors, le basilic, Tulsi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais vous lire, donc, message des plantes au peuple humain de Joël et Julien Chotens. Nous, les plantes, devons nous adapter sans cesse à notre milieu. Il y va de notre survie, car sans cette capacité, nous ne pourrions cohabiter tous ensemble. Vous, les humains, semblez avoir parfois oublié cette capacité d'adaptation. Vous n'êtes pas seul au monde. Je laisse passer la voiture. Et les éléments de la nature seront toujours plus forts que vous. Vous n'êtes pas non plus les maîtres du monde. Je viens à vous pour vous rappeler que l'adaptation est une vertu importante pour l'avenir de l'humanité. S'il y a une situation ou une personne que vous ne pouvez changer, on est en plein dedans si jamais, il vous est demandé de vous adapter. Si je pousse sous un arbre et que je reçois moins de soleil, je m'adapte en développant de plus larges feuilles. Je ne cherche pas à couper l'arbre. Adaptez-vous au lieu de tout chercher à contrôler. Vous ne pouvez pas changer personne à part vous-même, car c'est par là, qu'il vous faut commencer. Je pense qu'on est en plein dedans, hein. Considéré comme plante sacrée en Inde, le basilic tulsi est d'ailleurs aussi appelé basilic sacré ou basilic saint. On en trouve souvent devant les maisons comme protection. Il amène plus de confiance et donne de l'énergie. Les Indiens l'utilisent aussi pour en faire des colliers de protection. Son huile essentielle a des effets anti-âge reconnus et aide à renforcer le système immunitaire. Tiens donc! Bien souvent, on aimerait qu'une situation difficile change sans que nous ayons à changer quoi que ce soit de notre quotidien. C'est rarement comme cela que ça fonctionne. Le basilic tulsi nous rappelle que tout changement vient de l'intérieur. Il nous invite aussi à nous souvenir que tous les événements extérieurs ne sont que le miroir de pensées, croyances, émotions et schémas karmiques intérieurs. Tout est là pour nous faire grandir, même les expériences les plus douloureuses. Il est rare qu'un chemin initiatique soit facile et parsemé de pétales de rose. Pour découvrir le sacré qui vit en soi, il est nécessaire de passer par l'expérience. C'est elle seule qui a la clé d'activation pour stimuler toutes les parties de notre âme et réveiller tout ce qui sommeille au plus profond de nous. Le basilic tulsi nous invite sur cette voie de l'initié, celui qui chemine en sachant et en acceptant que rien n'arrive par hasard. Qu'avez-vous à retirer comme leçon personnelle de ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Indication anti-inflammatoire, hypotensive, antioxydante, anti-stress, anesthésiante, hypoglycémiante. Je crois que tout est dit. Que... Je vous invite, si vous avez du basilic tulsi à la maison ou de l'huile essentielle, à peut-être prendre du temps avec elle. L'huile essentielle, peut-être juste sentir sans avoir, ou simplement prendre la bouteille d'huile dans les mains. La vibration vous sera transmise. Vous pouvez imprimer une photo, poser votre verre d'eau dessus. Vous patchez avec la photo en demandant vraiment au Deva du basilic tulsi de s'activer pour vous, de vous aider à vous poser les bonnes questions et à aller dans votre adaptation. Je bégaye. Et pour l'anecdote, avant de passer à l'activation et à le découvrir et à l'accepter à l'intérieur de nous et à intégrer vraiment sa vibration ou la laisser vivre plutôt sa vibration, on parle d'adaptabilité. Ce matin, mon voisin m'a un message sur Facebook en disant « Est-ce que c'est possible qu'on ait le jipaète barbu qui vienne survoler tous les matins à 7h juste devant nos fenêtres ?» Enfin, devant nos fenêtres, entre guillemets, parce que moi, je suis contre la montagne. Donc, je suis en plaine, mais j'ai vu sur la montagne, j'ai vu sur les chamois, les bouquetins chaque jour. Et
Il était tout étonné. Et oui, on a un couple de gypaètes barbus, animal magnifique en voie de disparition, mais qu'en principe, il se cachait hein, plus haut. Et là, ben lui, il est en pleine adaptation. La nature reprend ses droits et ça ferait 2 matins qu'il descend juste à hauteur des maisons, au niveau du, vraiment à l'oreille du bois, à quelques centaines de mètres de chez moi. Alors demain matin, je vais me lever, voir si j'ai cette chance de le voir aussi. Et peut-être faire quelques photos, on verra. Mais j'ai qu'un téléphone portable. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est quand même magique quand on y pense, cette nature qui reprend ses droits, qui s'adapte. L'humain se planque, est enfermé. Peut-être juste retour où nous vivons ce que nous avons fait vivre aux animaux quand on les enferme. Je pense souvent aux chevaux, 9 mètres carrés, quand ils font 50-60 km par jour en liberté. Alors en France, c'est peut-être des box plus grands. En Suisse, c'est 9 mètres carrés. Je pense au lion dans sa cage. Je pense à tous ces animaux qu'on enferme. Et en fin de compte, nous, ben, un petit truc invisible que personne ne voit ou que pas grand monde ne voit, nous enferme chacun chez soi, dans nos propres prisons, pour peut-être nous donner une leçon de vie et nous faire découvrir nos cellules déjà, nos cellules. Notre corps est fait de milliers, milliards de cellules, d'y faire le ménage pour ainsi retrouver notre paradis, notre unité et notre propre nature divine. Vous entendez peut-être, je ne sais pas, il faudrait que je réécoute. Si vous entendez les oiseaux, les merles et tous les oiseaux, c'est les perruches de la voisine, elle a des énormes volières là aussi, mais les oiseaux chantent. Là aussi, enfermés. Par contre, ben, j'ai une chance d'avoir quand même beaucoup d'oiseaux en liberté. On a les pies, les mésanges, les moineaux, enfin, les rouges-queues, j'ai vu qu'ils étaient là, les rouges-gorges, les corneilles. On a souvent des rapaces qui descendent. Alors là, je vous parlais du gypaète, je vais aller voir demain. Et c'est vrai que ben, c'est la chance d'habiter dans un village et puis d'avoir la porte ouverte. Souvent, on a le merle. Le matin à 5h30, le merle se met à chanter. C'est trop magique. Allez, on va aller dans cette entrée intégration et activation du basilic. Donc, à travers le vert, déjà, on va annuler nos stratégies de dissociation. On va accepter sa vibration en nous et on va aller réactiver son enseignement pour créer notre nature divine, créer notre paradis d'Éden en nous. C'est pour ça que je trouve que le monde végétal est important. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, je vais prendre le temps avec vous et je vais faire le tirage aussi d'un animal. Mais ce sera dans un deuxième temps. Je demande non, j'annule mes stratégies de dissociation en lien avec le basilic Tulsi et j'accepte sa vibration en moi, dans mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation du basilic Tulsi sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22.
Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. J'invite toutes les parties de moi qui ont de la peine, de la difficulté à s'adapter, qui cherchent à changer l'autre, à changer l'extérieur, plutôt que de se retourner dans son intériorité. Je les invite vraiment à se retourner dans la lumière et je leur demande pardon. Je demande pardon à ces parts de moi-même qui sont dans la survie, qui sont dans la confrontation et dans la recherche extérieure du changement. Je n'avais pas compris et je demande pardon surtout de ne pas avoir pris le temps, de ne pas avoir eu le courage pour venir contacter ces parts-là. Je suis désolée, pardon, je vous aime, merci. Et je vous invite vraiment à vous retourner dans ma propre lumière, au sein de moi-même. Et je vous rappelle que si c'est la première fois que vous faites cet exercice, c'est pas à travers ma lumière que vous devez vous retourner, mais c'est à travers la vôtre. Chacun a sa propre lumière au cœur de soi-même. À vous de la nourrir, à vous de la faire vivre. Et aujourd'hui, on va rajouter une petite carte. Un message du peuple animal, tarot de la sagesse animale. Quel animal ? Après tout, nous sommes des animaux et si nous avons travaillé sur la grille végétale de l'ADN, maintenant on va travailler sur la grille animale. Et quel animal a envie de nous accompagner aujourd'hui dans notre travail ? En ce 22 mars 2020, journée spéciale, j'adore. J'adore parce que je l'ai vu ce matin, il m'accompagne beaucoup. C'est le bison. Le bison, abondance et prospérité nouvelle. Mais je dirais que, hormis le message qui est écrit sur la carte, le bison, quand on intègre sa médecine, quand on intègre quand on laisse déployer sa médecine en nous, et puis qu'on actionne notre énergie bison, c'est savoir où aller, savoir quel chemin prendre, trouver le meilleur chemin pour nous-mêmes. C'est un animal qui va nous faire travailler vraiment le corps et qui va être le point de départ d'une transformation au niveau matière, au niveau vibratoire dans la matière. C'est-à-dire que on est dans un corps, le corps vibre une vibration X ou Y. Dans cette vibration, vous allez retrouver les mémoires, le petit texte concernant le basilic où il y a toutes les charges mémorielles qui sont prises dans nos cellules, dans notre ADN. Donc actuellement, la plupart des gens vibrent ces informations-là. Et on est en train de faire le nettoyage. Et le bison, lui, il est là pour nous aider à aller de l'avant et trouver le bon chemin, la meilleure voie pour nous. Bison futé, vous connaissez ? Après, ça va permettre d'aller dans une prospérité nouvelle et l'abondance, bien sûr. Alors, le bison, je vais quand même vous lire le petit texte. En plus de ça, c'est rassurant, ça a la force d'aller de l'avant. De ne pas se focaliser sur les petits détails. Le bison, si ça va aller d'un point A à un point B, il y va. Il va trouver la meilleure piste. C'est pas parce qu'il y a un petit trou ou une petite bosse ou une petite branche ou un petit caillou qui entrave le chemin qu'il va être bloqué. Il va savoir comment faire, peut-être enjamber, passer dessus parce qu'il a assez de force ou à côté. Et ça, c'est aussi important de prendre conscience, ne pas s'arrêter sur les premiers blocages, sur les premiers on y va. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça qu'il m'a transmis son enseignement. Mais je vais quand même lire. Alors, j'arrive sur les quadrupèdes.
C'est vraiment le point de départ du changement. Il est là. Chez les Indiens des plaines, le buffle d'Amérique, dont le nom véritable est le bison, symbolise l'abondance et le caractère sacré de la vie. La légende Lakota de la fille bison blanche enseigne aux autochtones que l'effort honnête allié à la prière sincère engendre l'abondance. Le bison nous rappelle que la combinaison du divin au terrestre nous assurera la réussite. Véritable colosse, le bison peut peser jusqu'à 1400 kg. Avec sa tête aux dimensions exceptionnelles, sa bosse entre les deux épaules et sa fourrure aux longs poils rudes, le bison paraît surdimensionné. La tête est un symbole très ancien des facultés supérieures. Chez le bison, elle rappelle que notre désir ne saurait se réaliser sans la dimension spirituelle. Là, il y a une notion aussi d'équilibre. Spiritualité ou cosmique, tellurique, toujours. Le bison se sert souvent de ses robustes épaules et de sa tête énorme pour enlever la neige sur le sol afin de se nourrir. Ce fait suggère que nous devons employer toute notre énergie à nos tâches. Si nous le faisons, nous en serons récompensés. Prenez le temps de travailler sur vous, prenez le temps d'alchimiser votre intérieur. Tout passe par votre intériorité. La porte de sortie est au centre de vous-même. Donc ne le faites pas qu'à moitié. Prenez ce temps de confinement pour vous. Et c'est vrai que si ben, vous êtes à la maison, vous êtes peut-être plusieurs, il y a les enfants, ben, demandez aux enfants d'avoir ce temps, un moment pour vous. Alors mettez-les devant la télé. Ou alors faites-le en famille. Où vous allez, ben, pourquoi pas, faire des dessins sur la thématique du bison, appeler l'énergie du bison, du basilic tulsi ou des autres plantes, ou étudier la plante, tout simplement, ou l'animal, pour recevoir son enseignement, le laisser se déployer à l'intérieur de vous. C'est des petits trucs que je vous donne. Les bosses évoquent depuis longtemps l'idée de réserve utilisable. L'apparition du bison marque un temps d'abondance dont nous pourrons profiter si nous savons nous l'approprier. L'abondance ne nous sera pas donnée gratuitement, mais nous pouvons l'obtenir si nous y mettons toute notre énergie. Dans ses déplacements, le bison emprunte toujours les pistes les plus faciles, nous rappelant ainsi que la route s'aplanira peut-être devant. Si nous travaillons à la fois sur le plan spirituel et terrestre, en alliant l'effort et la prière sincère. Si la lame du bison sort dans un tirage, il serait sage de choisir la voie la plus facile, sans rien forcer, sans faire pression, et de nous détendre, confiant que nos efforts porteront fruit. Le bison confirme que les efforts que nous avons fournis seront récompensés. Son apparition signale que nous entrons dans une période où nos entreprises connaîtront la prospérité et le succès. Nous avons posé les fondations et cela devrait donner d'excellents résultats. Alors ça, c'était le message pris par le livre de Ted Andrews, Le tarot de la sagesse animale. Mais moi, ce que je perçois et ce que me transmet le bison, c'est vraiment le chemin. Il va vous guider sur ce chemin d'unité et de retrouvailles avec vous, ce chemin intérieur qui fait tellement peur. Il va vous amener vers votre paradis terrestre, vers la porte de sortie, ou plutôt vers l'infiniment petit pour aller dans l'infiniment grand, mais pas par l'extérieur, par l'intérieur. Il saura aplanir, il saura dégager par sa force, sa robustesse, vous donnez aussi la confiance d'aller de l'avant. Et souvent, j'entends ou je côtoie des personnes qui me disent que c'est difficile en ce moment pour elles, qu'elles semblent ou elles ont l'impression de travailler encore et encore sur elles et que ça finira jamais. C'est un chemin, ça prend du temps. On s'est perdu depuis si longtemps que c'est un chemin qui en vaut la peine
Et oui, ça demande persévérance, patience, ça demande de prendre du temps et d'oser y aller. Mais je vous assure, on en sort. On en sort, on rencontre ce paradis d'Éden, on se rencontre ce paradis terrestre. La paix peut exister, mais c'est à vous de faire ce chemin. Et le bison est là pour vous aider et vous y encourager. Donc on va activer le bison en nous, on va activer sa conscience, on va accepter sa conscience en nous. Et vraiment, je me réjouis d'avoir vos retours avec cet animal magique qu'est le bison. J'annule mes stratégies de dissociation et d'auto-sabotage face au bison. J'accepte sa vibration et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et dans mon aspect tellurique. Je demande l'activation du bison sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Je vous souhaite une belle découverte, une belle rencontre avec le basilic Tulsi et le bison. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres aussi. Et si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, j'ai encore quelques places cette semaine, pas beaucoup, mais j'en ai encore quelques-unes. Et je vous rappelle que tous mes outils alchimiques, c'est-à-dire le tarot-thérapie et le web atelier des dauphins, guérison du cœur arc-en-ciel, sont en don libre avec montant, il n'y a pas de montant minimum. Pour vous permettre de travailler encore plus profondément en vous, d'aller découvrir des outils, des protocoles, des dynamiques intérieures qui sont importantes. Le tarot-thérapie va vous donner vraiment une attitude intérieure, un positionnement intérieur pour vous faciliter la porte de sortie. Je pense à l'arcane du chariot qui va vous permettre de rassembler toutes les parts de vous-même. Le mental qui va aller à droite, le corps qui va aller à gauche parce qu'il a peur, le cœur qui va aller ailleurs, etc., etc. Ça, c'est l'arcane du chariot. Vous avez le pendu qui nous apprend la patience et l'observation, entre autres, pas seulement. L'arcane de la mort qui nous fait sortir de notre peur de la mort et qui nous permet de vivre une dynamique intérieure de transformation. Quelle arcane serait aussi importante actuellement? Elles sont toutes importantes, mais par rapport à ce que nous vivons, dans la dynamique que nous vivons actuellement, il y a le mât qui, lui, ben, ose être différent et suivre son propre chemin. Hein, le bison va nous aider à aller sur notre chemin, mais pour ça, il faut encore être prêt et c'est le mât qui nous l'enseigne à être le fou qui ose et qui ose faire différent. Vous avez le battleur qui nous enseigne à redevenir le magicien de notre vie, l'alchimiste, qui nous permet aussi de découvrir les apprentissages.
Bien sûr que enfin, toutes sont importantes, mais là je vous en donne quelques-unes. La tempérance pour s'octroyer. Ça, c'était une carte que je connaissais pas et que je suis en train de mettre en pratique cette fois-ci. La tempérance, être tempérant avec soi-même, s'octroyer des moments pour soi, s'octroyer être dans l'accueil avec soi-même. Et voilà, je vois que j'ai déjà fait 35 minutes, c'est un peu long, mais je trouvais sympa aujourd'hui, ce dimanche, de vous donner un peu plus d'infos. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau tirage.